On s'est acheté un compteur, puis on est en train de le rénover. Dans les derniers épisodes, vous avez sûrement vu là, qu'on a acheté un compteur. C'est un J. Cole, en fait, des années 80. Puis, on est en train de le rénover au complet. On a fait une bonne partie de l'extérieur. Il était blanc, il est maintenant noir. Puis, on y a fait aussi un tiroir, juste ici, pour qu'il fitte dans le bois du truck, pour être capable de le sortir. Puis, on l'a installé, en fait, sur le pick-up hier. Aujourd'hui, on a testé le système électrique. En fait, tout fonctionne super bien, le frigo marche. Et puis, il faut faire le lit, parce que c'est un lit pour une personne et demie, je pense. C'est pas un lit pour deux, en fait. C'est pas un lit queen, c'est pas un lit king, c'est genre... même pas un lit double, c'est genre un lit simple et demi. Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais... c'est assez particulier, fait que tu sais, je suis quand même un gros gars, puis faut qu'on fitte moi puis Sandrine dans le campeur, fait que on va faire un lit, et ben en fait on va allonger le lit qu'il y a là. On a déjà un matelas de campeur, en fait avec notre ancien setup on avait un matelas pliable là, genre en mousse mémoire, puis on va le faire fitter dans le campeur. Fait qu'on va aller visiter, on va aller mesurer, en fait on va couper, il y a des tablettes qu'il faut couper, fait qu'on va aller se couper ça. Puis on va mesurer, on va aller chercher du plywood pour faire un support à lit pour ça. On vient de rentrer dans le campeur. Les chiens sont déjà avec nous. Pas là, mais là. Ils sont là. Ça me rend vraiment contente parce qu'ils aiment vraiment beaucoup le campeur. Puis ils viennent tout dès qu'on est là. C'est comme Alfred, là, il veut constamment rentrer dans le campeur. Puis hier soir, il était 10h, on venait de finir. Puis comme on chillait un peu dans le campeur, puis eux, ils dormaient paisiblement. Ils étaient vraiment brûlés de leur jour. Bref, donc là, aujourd'hui, on est là pour le lit. Étienne va vous montrer grosso modo qu'est-ce qu'on va faire. On va se faire un prolongement de ce plywood-là qui veut venir jusqu'ici. Fait qu'il va falloir enlever le top de ça, parce que le plywood il est déjà coté sur le frame de ça. On va se racheter une barre ici pour accoter le plywood comme il faut. Puis, à la même hauteur de l'autre côté, on va couper toutes nos tablettes. Jusqu'ici. Jusqu'au coin. Fait que, tu sais, tout ça, ça va être perdu comme rangement. Mais on va avoir un lit confortable. Et assez grand pour nous deux. Mais là, dans le fond, là, ce qu'il va falloir compter, c'est que je pense qu'on va prendre un plywood plus épais que celui-là. Celui-là, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de vide en fait à soutenir, mais ici, il y a quand même un gros espace vide. Fait que je pense que je vais prendre un plywood de 3 quarts d'épais, 3 quarts de pouce d'épais, qui est comme le plus gros plywood là, qui est... Celui-là, c'est quoi? C'est un demi? Ça, c'est pas le demi. Le mécanisme qui fonctionne bien dans le campeur, mais ces deux-là marchent bien. Fait qu'on va les enlever et on va les garder. Là, Étienne vient d'enlever tout ce qui est électricité et panneaux. Ça ressemble à ça ici. La seule chose qu'on voit pas, c'est en arrière de ça ici. Ça, faudrait voir c'est quoi qu'il y a. Je rappelle aussi qu'on a brisé la cirone, donc ce sera fait à la scie sauteuse encore une fois. Donc il n'y avait absolument rien derrière ça, à part un support. Étienne vient de terminer de démonter le petit module ici. Ça ressemble à ça en dessous. Fait qu'il va tout falloir se faire du petit support et tout pour ouais, ça va être super simple. C'est quand même assez solide déjà ici. Ici aussi. Fait que on va se mettre une petite bande ici de support, une bande là. Ici, même chose, dans le fond là. Mais tu sais, quand je dis bande de support, là, ça c'était les bandes qu'ils utilisaient
d'origine, là, disons ici de même. Tu vas attaquer ça au coup de finition. On vient de tout prendre nos mesures, on s'en va à la quincaillerie voir qu'est-ce qu'on achète. Du plywood. On vient d'aller au Home Depot acheter notre bois. Étant donné qu'on a le campeur ici, on a dû couper le bois parce qu'en fait le campeur n'est pas assez grand puis on voulait fermer la porte et tout. Donc, on a coupé notre bois à même le stationnement du Home Depot. Donc on avait mis un autre morceau là, puis une autre, l'autre taille est en dessous dans le tiroir là. Donc c'est ça, on a vraiment comme coupé la bonne grandeur pour l'extension de notre lit. Ceux qui ont suivi, attendez, je vais sortir. Yep. Notre nouvelle scie, tu sais justement on était chez Home Depot, il fallait la couper. Il y a un rabais en ce moment sur la scie, donc on s'est gâté une nouvelle scie. Et elle fonctionne. Elle fonctionne celle-là. Oups. Bon, fait qu'on a acheté notre comptoir. Qui est là. Donc on a acheté notre comptoir. Il est en merisier laminé. C'est presque les bonnes dimensions. Il manque un petit pouce. Mais on va le chimer. On va s'essayer là. C'est 21 qu'on a besoin. Mais on a acheté aussi ça. Fait qu'on en a un 36 qui va faire un backing dans le même. Ça va être quand même chic assez. Fait qu'on va sortir notre petit backing avec ça. Ça, c'est en pain par exemple. Mais ça, c'est du bois prêt à teindre des vernures. Il va falloir le teindre et le verneur avant de l'utiliser, ouais. Mais ça, fait que ça va être super bien pour ça. Fait qu'on va aller poser ça en premier. On a acheté des supports déjà faits. Ben, c'est pas fait pour ça, là, mais c'est des 1x2 qu'on va pouvoir visser facilement. Ça me tentait pas de commencer à déligner des 2x4 pour se faire du support. Là. Fait qu'on a acheté ça déjà fait, c'est genre une pièce. Là. Fait que c'est ça. Mes coupes étaient semi, là, fait que ça, mais je m'attendais à ça. Là. Fait que ici, on va avoir un petit gap là aussi. Mais c'est pas dramatique. Mais tu sais, il n'y a rien de droit là, dans le campeur. Là. Ça, c'est pas droit. Le mur est pas droit. T'sais, tout est crush. Fait que comme il faut vivre avec les trucs crush, c'est correct aussi. Fait que c'est ça, mais non, on a fait un petit test là, avec le contour dessus et tout avant de le coller. Puis. C'est bien cute. Ouais, on va vous le montrer. Et voilà. Comme ceci. Puis Étienne a eu l'idée d'aller acheter là, des genres de petits backsplash pour ici, tu sais, en genre de caoutchouc en quincaillerie. Ouais, en vinyle en quincaillerie. Fait que ça va bien faire là, juste coller ça là. Puis tu sais, éventuellement, ben, genre cette planche là, j'aimerais peut-être ça faire la même chose la même ici. Chose ici. C'est réduire notre format d'évier là, parce que clairement on ne servira pas de tout ça. Et le gaz propane, peut-être en acheter un nouveau, whatever. Là, on checkera ce qu'on fait, mais celui-là ici, ça serait pas long à refaire avec la même chose que ça. T'sais, tu l'arraches par en haut, puis voilà, tu fais tes trucs, c'est réglé. Là. Fait que c'est ça, on est rendu et on va le coller. On est rendu là. Fait que on a fait notre contour. On a ajouté le plywood, dans le fond ici en dessous, là, vous voyez, on a mis une petite fixation. Voilà la petite plateforme où est-ce qu'on va pouvoir rallonger notre lit. C'est quand même assez solide, là. Je suis là, tout au milieu, il n'y a rien. Puis Étienne est assis dessus en ce moment. Fait que je pense que c'est solide. Fait que voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Puis tu sais, on s'entend, c'est du plywood, là, fait dans le temps, ça se peut que ça devienne moins solide. Mais tu on le change puis c'est réglé, là, c'est pas... Puis oui, là, ça va être vraiment comme nos jambes, là. Ouais, c'est ça, ben t'sais, ça va être quand qu'on va s'asseoir. Ouais, mettons ça va être très mal. Et voilà, donc le lit monté, ça ressemble à ça. Ça arrive jusqu'ici. Fait que c'est très cool, donc on aura juste, quand qu'on vit le jour, à le flipper comme ça. Puis à mettre cette planche là en dessous. Comme ça, ici sera notre setup de jour. Et voilà.
La housse est comme super grande parce que c'était pour un lit vraiment plus épais, là. Mais tu sais, c'est comme imperméable et tout, fait que voilà.